Et je crois que le capitaine de l'Olympique Rolipka va recevoir un carton rouge. Il est expulsé pour jeu dangereux, le numéro 8. Le capitaine de cette équipe de l'Olympique Rolipka, Walad Abdessamed, est expulsé pour anti-jeu. Et l'arbitre, qui est protégé par ses deux assistants et ses deux compatriotes, à l'intervention du service d'ordre, voilà, qui empêche le capitaine de cette équipe de l'Olympique Rolipka. Allez, monsieur Walad Abdessamed est prié de quitter le terrain. Il vient d'être expulsé pour anti-jeu. Et il ne reste plus à mon chronomètre, avec une bonne minute, je pense. Il ne reste qu'une minute. Et sauf exploit de dernière minute, voilà, on revoit l'action. Ah oui, et l'intervention rude, mais je pense que c'est ce qui s'est passé après qui a été sanctionné. Alors que le trio arbitral s'écarte et se met hors de portée du joueur marocain. Abdessamed Ouahed qui refuse la sanction alors que ses coéquipiers le font sortir. Ah, il avait fait quand même ça, oui, c'est vrai que c'est l'action, le jeu, mais je pense que c'est à la retombée que les deux joueurs, à la friction entre les deux joueurs. Ah, il ne veut pas sortir, le capitaine, hein. Il est mécontent, il est dans tous ses états. Walad Abdessamed, il est encore sur le terrain. Le service d'ordre quitte l'aire de jeu. Alors, que se passe-t-il? Voilà, il est... Voilà, là, alors là, oui, là, on voit quand même sur ces images l'anti-jeu dont a été l'auteur Walad Abdessamed. Et c'est Raidey. Voilà, on revoit l'action. Voilà, à la retombée, le coup donné. Voilà, le coup de coude donné par le capitaine Walad Abdessamed. Et donc voilà, coup franc. Alors, que va-t-il se passer? Je pense que ça va être un 5,50 m pour le gardien. Oui, le coup est évident, le coup de coude dans le visage. Coup anti-jeu pour l'arbitre. Que se passe-t-il? Alors, l'arbitre est dans tous ses états. À un moment, il avait eu peur et que... Ah, il revient à la faute. Et il donne un coup franc pour les Sétifiens. Allez, dernière, ultime minute, dernière chance pour ne pas aller au tir au but